Devant moi, un océan rugit,
quand derrière moi mon passé me poursuit. Seigneur, entends mon cri. C'est dans tes bras que je suis à l'abri, c'est près de toi que mon âme s'écrie. Oui, mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es. Si mon chemin est long et difficile, et si mes rêves me semblent anéantis, Seigneur, entends mon cri. C'est dans ta main que sont toutes mes ruines, c'est sous ton aile qu'elles reviennent à la vie. Et mon âme s'écrie, que tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir, que tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir, Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher.
tu es ma force, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Oh.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur.
soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée encore ce matin, que vraiment le Seigneur vous visite encore aujourd'hui, que le Seigneur se manifeste à vous là où vous vous trouvez, là où vous êtes, dans la situation, dans votre attente, vraiment que le Saint-Esprit puisse manifester la réalité de Dieu
et que vraiment vos cœurs soient touchés encore aujourd'hui par le Seigneur, et que votre esprit, que votre entendement s'ouvre pour recevoir encore les encouragements de la part de Dieu. Ce matin, j'aimerais nous encourager encore à croire dans l'efficacité de la prière. La prière est efficace, la prière est puissante, la prière peut faire des choses qui humainement sont impossibles. C'est pourquoi Dieu nous exhorte. Dieu nous exhorte à la prière. Le Saint-Esprit nous pousse à prier. Parce que la prière est le moyen le plus simple, le plus facile pour manifester la réalité, la puissance de Dieu. La prière, c'est juste un moyen que Dieu nous a donné pour toucher, pour goûter à la réalité des choses célestes. Alors je vous encourage ce matin, peut-être quelqu'un pourra dire, ben oui, ma prière, bon, je prie, mais il ne se passe rien, ma prière est trop faible, ma prière est ceci ou elle est cela. Nous avons déjà vu la fois dernière que Dieu est celui qui entend la prière et il exauce. Dieu écoute la prière véritablement et il exauce la prière. Alors que chacun soit encouragé ce matin, que personne ne se sente tout petit, que personne ne se sente mis à l'écart, que personne ne se sente rejeté dans la prière, parce que Dieu ne fait pas ça. La Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Donc, vous tous qui avez accepté Christ Jésus, et on va le voir tout de suite d'ailleurs, le verset de la Bible qui en parle, nous tous qui avons accepté Christ, la Bible dit que nous avons été justifiés, nous sommes les justes de Dieu. Alors lorsque nous crions, lorsque nous prions, lorsque nous nous arrêtons à un moment donné pour tourner nos regards vers Dieu, il écoute nos prières, et s'il écoute, il est là aussi pour nous exaucer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Le Seigneur veut nous apprendre une chose qu'on retrouve dans Jacques au chapitre 5, le verset 16. L'épître de Jacques au chapitre 5, verset 16, voici ce que la Bible nous dit. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. La prière est efficace. La prière est puissante. Le Seigneur nous a donné un moyen pour vivre le surnaturel, un moyen pour changer les choses dans notre vie, un moyen pour manifester la gloire de Dieu, c'est la prière. Nous ne pouvons pas négliger la prière, nous ne pouvons pas prendre la prière à la légère, nous ne pouvons pas faire l'impasse de la prière. Quelle que soit la forme que nous pouvons donner à la prière, il faut nos cœurs, notre cœur a besoin de la prière dans la présence de Dieu. Et Dieu me dit que, parce que tu es juste, ta prière est très efficace. Ta prière est très efficace. Mon frère, ma soeur, l'efficacité de ta prière ne dépend pas de sa longueur. L'efficacité de ta prière ne dépend pas des mots, ne dépend pas du vocabulaire que tu mets dedans. La prière du juste est efficace. La prière du juste est très très puissante. Alors que chacun ce matin se sente encouragé encore à prier. Avec tout ce que nous avons déjà vu et en rajoutant encore ce qu'on apprend aujourd'hui, j'aimerais que vous ayez confiance à la prière. J'aimerais que vous ayez confiance dans votre prière. Parce que votre prière peut changer les choses. Votre seule prière peut changer les choses. Même dans notre pays, votre seule prière peut changer la situation qu'on rencontre aujourd'hui. Vous savez, rien qu'avec la prière d'un seul d'entre nous, Dieu peut changer la donne et changer les circonstances même de notre pays. Et on va le voir tout de suite. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec la prière d'une seule personne. Alors pour commencer, j'aimerais définir qui est le juste de Dieu. Qui est le juste de Dieu? Dans Romains chapitre 3 au verset 22, voici ce que la Bible nous dit. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Donc, mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu dit, le fait que tu crois en Jésus, que tu as accepté Jésus dans ta vie, que tu aies confessé Christ, le seul fait que tu aies fait ça, Dieu dit que tu es juste devant lui. Tu es justifié à ses yeux. En fait, ça veut dire, pour être encore plus précis, que quiconque aujourd'hui place sa confiance en Jésus et le reçoit dans sa vie, Dieu déclare que cet homme est juste à ses yeux. En clair, c'est comme si il n'avait jamais péché devant Dieu. C'est ça, être juste devant Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Dieu considère
te considère comme une personne qui n'a jamais péché à ses yeux. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus t'a lavé et purifié de tout péché, de toute souillure, de tout ce qui était dans ta vie. Le sang de Jésus t'a purifié de cela. Alors Dieu dit, tu es juste devant moi. Et cette déclaration, personne ne peut la contredire. Personne ne peut l'enlever. Quand Dieu a déclaré un homme juste, cet homme est déclaré juste. Donc nous devons comprendre qui nous sommes devant Dieu. Et Dieu dit que celui qui est juste devant Dieu, sa prière est très efficace. Ta prière, ma soeur, ma prière, ta prière, mon frère, est très efficace et très puissante devant Dieu. Pourquoi est-ce que notre prière est puissante? On peut se poser cette question, mais Alain, pourquoi tu dis ce matin que ma prière est puissante? Parce que celui qui est juste est celui qui a manifesté la foi. Il a manifesté la foi en Jésus-Christ, il a cru en l'œuvre de Christ à la croix. Il a placé sa confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Alors Dieu appelle cela la foi. Et il dit qu'une telle personne, celui qui est capable de faire cela, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il va prier, est capable de manifester la foi, est capable de faire confiance aux promesses de Dieu, est capable de croire que quand il prie, Dieu va exaucer et Dieu va accomplir l'impossible. C'est pourquoi Dieu dit que notre prière est très efficace. Alors je vous encourage aujourd'hui, je vous encourage ce matin. Peut-être que je le redis plusieurs fois, mais je veux encore le redire. Je veux le redire parce que tellement de chrétiens sont dans des situations difficiles, sont dans des situations très compliquées. Et parfois ils prient et le fait que ça tarde, alors ils se mettent à douter, ils commencent à douter d'eux-mêmes, ils commencent à douter de la bonté de Dieu, ils doutent que les choses peuvent changer. Moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, votre prière est suffisante. Rien que votre prière est suffisante pour changer les choses. Alors, d'autant plus encore qu'on peut se... Nous pouvons nous accorder dans la prière. Donc, lorsque nous pouvons encore nous retrouver ensemble dans la prière, c'est encore plus de dynamique et de force que nous ajoutons lorsque nous prions ensemble. Mais déjà, mais d'ores et déjà, tout seul, en tant qu'enfant de Dieu, ta prière est efficace. Ta prière est puissante, elle est efficace. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 38, dit ceci, que celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Voilà ce que Dieu dit. Donc c'est pourquoi il dit que notre prière est efficace. Parce que nous sommes capables d'avoir foi en lui. Nous sommes capables les uns les autres, qui que nous soyons, nous sommes capables de faire confiance à Dieu. Nous avons reçu cette grâce de Dieu. Il y a ce don de Dieu dans nos cœurs qui est la foi. Et cette foi est capable de saisir des choses qui humainement sont impossibles. Puissions-nous simplement avoir confiance que Dieu a placé en nous une capacité qui s'appelle la foi et que cette foi peut saisir l'impossible. Et cette foi va passer par quelque chose de très très simple, ce qui est ma prière. Ma prière peut véritablement changer les choses. Parce que Dieu dit que ta prière est très efficace. Ta prière, mon frère, ta prière, ma soeur, est très puissante et très, très efficace. Alors, comment faire? Comment on peut faire? Comment faire aujourd'hui? Comment faire ce matin pour être vraiment sûr que notre prière va porter du fruit? Alors, afin de nous aider sur la question de la puissance de la prière, le Seigneur a pris un exemple. Il a pris l'exemple de quelqu'un. Dans la parole de Dieu, Dieu a pris l'exemple d'un homme qui a manifesté dans sa vie une prière qui était efficace. Un homme dans sa vie qui a manifesté la puissance de Dieu au travers de sa vie de prière. Et cet homme, c'était Élie. C'était le prophète Élie. Alors, qui est Élie? Pour beaucoup d'entre nous qui avons un petit peu l'habitude de lire la Bible, la parole de Dieu, nous connaissons Élie comme étant le grand prophète d'Israël. Élie, c'est celui qui incarnait dans le peuple d'Israël la dimension de tout ce qui est prophétique avec toute sa puissance. Élie est l'incarnation du prophète par excellence avec toute la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, voilà ce qu'incarnait Élie. Et c'est phénoménal parce que cet homme, par sa prière, a fait des choses totalement extraordinaires, humainement, qui dépassent l'entendement. Élie, c'était un homme, quand on lit l'histoire d'Élie, on voit que c'était un homme qui ne... La plupart du temps, tous ses déplacements,
Tous ses faits et gestes étaient conduits et dictés par la parole de Dieu. Donc c'était quelqu'un qui avait cette capacité d'attendre, de recevoir une parole de Dieu avant de faire quoi que ce soit. La vie d'Élie était réglée par la parole de Dieu. Élie était un homme qui, même la provision à ses besoins, quand il fallait subvenir à ses besoins, les choses se passaient surnaturellement dans sa vie. Les choses se passaient surnaturellement dans sa vie. Vous pouvez retrouver toutes ces histoires, tout ce dont je suis en train de vous parler dans le livre de 1 roi, à partir du chapitre 17, vous voyez déjà Élie qui entre en action. La Bible qui commence à parler d'Élie. À partir de 1 roi, chapitre 17, à partir du verset 1er suivant. Et vous verrez tout ce que cet homme pouvait vivre, expérimenter, rien qu'à cause de sa prière et de la foi qu'il avait en Dieu. Par exemple, dans 1 roi chapitre 17, au verset 22, il est dit que l'Éternel exauça la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit. Élie était capable de ressusciter un mort par sa prière. Élie pouvait prier et un mort revenait à la vie. Un mort revenait à sa vie. Voilà qui était Élie. Un homme de prière. C'était un homme qui vivait des choses surnaturelles. Surnaturelles. Il était capable d'invoquer le feu du ciel et de le faire tomber sur ses ennemis. Littéralement, il y a le ciel, on voit un feu qui arrive depuis le ciel et qui vient consumer ceux qui étaient contre Élie. Voilà qui était Élie. Dans un autre passage, au chapitre 18, il est dit, à un moment, il y a un général du roi qui vient pour trouver Élie de la part du roi, pour dire au roi où se trouvait Élie. Et cet homme va confesser de sa bouche, il dit, écoute Élie, je sais que Dieu, que l'Esprit de l'Éternel te transporte et il t'emmène physiquement d'un lieu à un lieu. Ça veut dire qu'un homme qui pouvait vivre dans son corps, un transport, le Saint-Esprit le prenait surnaturellement pour l'emmener à un autre endroit. Dans son corps, je vous parle, je ne parle pas de vision, je parle dans son corps, physiquement. Et c'était connu. Et c'était connu. Et je reconnais qu'il y a, rien qu'avec ce petit descriptif rapide que je vous fais, il y a de quoi avoir peur, de dire, mais oui, mais écoute Alain, tu ne peux pas nous dire que cet homme-là est un exemple pour moi. Moi, quand je vois que j'ai du mal à arrondir mes fins de mois, tu veux me parler de surnaturel? Oui. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas moi qui fais ce comparatif, c'est Dieu qui fait ce comparatif avec nous. C'est Dieu qui fait ce comparatif avec nous. Dieu choisit, le Saint-Esprit a choisi l'exemple de lui pour nous parler aujourd'hui, pour nous dire que la prière du juste est efficace, est très efficace. Elle est très efficace. Pourquoi Dieu va choisir Élie? Pourquoi le Saint-Esprit va choisir Élie? Parce que, en dehors de tout ce que je viens de vous brosser comme tableau pour Élie, quand Dieu en parle, quand le Saint-Esprit parle d'Élie, regardez la présentation que le Saint-Esprit donne d'Élie. Parce que ce qui peut être impressionnant pour nous ne l'est pas forcément par rapport à Dieu. N'oublions pas que le surnaturel et le naturel de Dieu. Dieu vit ça au quotidien. Donc ce que Élie pouvait faire pour Dieu, ce n'était pas grand-chose. C'est pourquoi quand Dieu parle d'Élie, dans 1 roi chapitre 17, voici comment Dieu introduit Élie dans l'histoire. Il dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Le Saint-Esprit le présente comme étant un homme parmi les hommes. Et c'est tout. Dans le texte en hébreu, certains dans votre Bible, vous avez peut-être une version qui dit Élie le prophète, le Tishbite et tout ça. Non, dans le texte original, dans l'hébreu, il est question de Élie, un homme qui habitait le pays, un habitant de Galaad. Un homme. Un homme parmi les hommes. Élie n'avait rien de plus que nous. Absolument rien. C'était un homme comme tous les hommes. Deuxièmement, parce que Élie avait les mêmes faiblesses que nous. Dans Jacques chapitre 5, le verset 17, voici ce que le Seigneur nous dit. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol.
Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est d'abord important, c'est de dire que Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Un homme comme nous, frères et sœurs. Dans la version Martin, il est dit « un homme sujet à semblable infirmité que nous ». Élie avait les mêmes incapacités que nous. Dans la version Darby, il est dit « un homme avec les mêmes passions que nous ». Un homme avec les mêmes passions que nous. Élie avait les mêmes combats que vous et moi. Malgré tout ce qu'il pouvait vivre dans sa vie de prière, malgré tout ce surnaturel qui pouvait se manifester au travers de sa vie de prière, Élie avait les mêmes combats que vous et moi. Si aujourd'hui nous luttons avec le fait de croire, si aujourd'hui nous luttons avec notre chair, Élie avait les mêmes combats. Il n'avait rien de plus que nous et il n'avait rien de moins que nous. Il était un homme tout à fait comme vous et moi. C'est pourquoi Dieu le prend en exemple, pour dire que si lui l'a fait, rien ne vous est impossible. Dans le texte en grec, dans le grec, il est dit un homme aux conditions semblables aux nôtres. Élie était soumis aux mêmes conditions que nous. Dieu ne lui avait pas créé un environnement privilégié. Dieu n'avait pas mis en place quelque chose de plus pour Élie et nous aurions mis dans une situation inférieure à Élie. Non, nous vivons les mêmes conditions, nous sommes dans des conditions semblables. Et donc lui, s'il a pu expérimenter ces choses, c'est que nous aussi nous pouvons les expérimenter. Élie était un homme qui n'avait rien de plus que nous. C'est ça le message que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Si la prière d'Élie a été efficace pour accomplir toutes ces choses, alors ta prière, mon frère, ma soeur, peut accomplir tout autant la même. Peut accomplir les mêmes choses, si ce n'est davantage. Seigneur nous encourage ce matin à croire que ce qui nous est impossible ce matin est possible par notre prière. Parce que notre prière fait descendre littéralement le ciel sur la terre. Le Seigneur Jésus nous a déjà dit dans les semaines qui sont passées que désormais le ciel est ouvert. Désormais la puissance surnaturelle de Dieu est pour vous. Il nous l'a enseigné il y a quelque temps. Et là il nous dit, regardez un homme qui faisait descendre le ciel sur la terre. Élie, un homme qui était tout à fait comme vous, qui n'avait rien de plus que vous. Il était dans la même condition que vous. Voilà ce qu'il pouvait faire à cause de sa prière. Et votre prière est tout aussi efficace. Votre prière est tout aussi efficace pour changer l'environnement dans lequel vous êtes, pour changer l'atmosphère dans laquelle vous êtes, pour changer les situations que vous vivez aujourd'hui, pour guérir vos maladies. Notre prière est efficace. Alors regardez un petit peu de plus près Élie. Quelles étaient les faiblesses qu'on pouvait retrouver chez Élie, par exemple? Je n'ai pas toute la liste, mais je vous donne quelques éléments qui peuvent transparaître quand on lit la parole de Dieu. Élie était un homme parfois orgueilleux. Élie pouvait être orgueilleux à cause de ce qu'il vivait, à cause de la révélation de Dieu dans sa vie. Élie pouvait se montrer très orgueilleux. Regardons dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 22. Élie qui parle à Dieu, il dit « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. » Il avait une belle image de lui-même. « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. » Vous savez, le Seigneur va le corriger plus tard. Il va lui dire « Non, Élie. Non. Tu sais, il y a 7000 hommes qui me sont fidèles comme toi dans le pays. Tu n'es pas le seul. » Il y en a 7000 autres comme toi qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Tu n'es pas le seul. Mais voilà un homme qui est capable de dire des choses comme ça à Dieu. Il y a cette histoire entre Élie et les prophètes de Baal. Pour faire simple, ils sont sur cette montagne et chacun, Élie doit invoquer l'Éternel. Je vous en ai parlé quand on a parlé du ciel ouvert. Du Dieu qui exauce la prière, comme quoi Dieu va exaucer la prière d'Élie. Mais qu'est-ce que Élie va faire quand il est confronté à ces gens? Au chapitre 18, le verset 27, il est dit, vers midi,
Élie se moqua d'eux et il leur dit, criez plus fort, puisqu'il est Dieu. Donc, c'est un petit Dieu. Il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien encore il est en voyage, ou peut-être qu'il dort, il faut le réveiller. Il s'est moqué d'eux par suffisance. Il savait que Baal était un faux Dieu, ou un petit Dieu. Et lui avait l'Éternel, le Dieu véritable. Alors il se moquait d'eux. Un homme parfois orgueilleux. Alors de vous à moi, ce matin, qui d'entre nous ne s'est jamais montré orgueilleux parfois par rapport aux autres? Qui n'a jamais eu parfois cette... soit dans nos propos, soit dans le regard qu'on va porter sur les autres, soit en se comparant des fois aux autres, ou en jugeant, en critiquant les autres dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont, dans ce qui est. Et qui n'a jamais eu ça? Qui n'a jamais eu parfois cette pensée montée en lui? Qui peut jeter la première pierre à Élie? Personne, en tout cas moi non. Moi non, parce que c'est des choses qui sont liées à notre nature humaine, à notre faiblesse. Nous pouvons à un moment ou à un autre tomber là-dessus, une bénédiction de Dieu, une grâce particulière de Dieu, et avoir un sentiment d'orgueil monter dans notre cœur. Une révélation particulière. On peut comprendre des choses dans la Bible et puis se sentir tout suffisant, croire qu'on ne peut plus nous enseigner, on est celui qui a tout compris, on est à se prendre peut-être pour le secrétaire de Dieu. Croire que rien ne peut plus passer en dehors de nous, dans l'Église, qu'on est celui qui est l'indéboulonnable, tout ce qu'on veut. Non. Un homme parfois orgueilleux, comme vous et moi nous pouvons l'être. Mais c'est cet homme-là que Dieu prend en exemple. C'est cet homme-là. Un autre trait de caractère qu'on peut retrouver chez Élie, un homme qui a peur. Vous savez, après l'épisode de la montagne avec ses prophètes de Baal, quand Élie, donc après que Dieu exauce la prière, Élie va demander au peuple de l'aider, ils vont saisir tous ces faux prophètes et Élie va les égorger tous, il va égorger toutes ces personnes-là. 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, il les a, 850 personnes, Élie les a égorgés. Et la nouvelle va arriver aux oreilles de celle qui était celle qui avait permis ce culte de Baal dans Israël, Jézabel, qui était aussi la femme du roi. Alors Jézabel va simplement envoyer un message à Élie et lui dire, Élie, ce que tu as fait à mes prophètes, tu subiras la même chose. En clair, je veux te faire égorger. Vous savez, Élie qui était capable de faire descendre le feu du ciel contre toute personne qui voudrait le saisir. Élie qui est capable, devant tout le monde, de se tenir devant le roi, devant le char du roi, et de parler directement au roi, sans aucune crainte. Élie qui pouvait être transporté par l'Esprit de Dieu d'un lieu à un autre. Mais une simple parole de cette femme, une simple parole en lui disant « Je te ferai la même chose ». La Bible dit que Élie prit peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'enfuit pour sauver sa vie, frères et sœurs. La peur l'a saisi. Le grand prophète, l'homme de feu, la peur l'a saisi et il s'enfuit. Qui n'a jamais eu peur face à une mauvaise nouvelle? Qui n'a jamais eu peur face à une situation compliquée? Qui n'a jamais eu peur? Qui n'a jamais craint pour sa vie, pour sa famille, pour ses enfants, pour son conjoint, pour ses amis? Qui n'a jamais eu peur? Qui n'a jamais eu peur? Face à la situation que nous avons rencontrée dans le pays, cette pandémie, qui n'a pas eu peur? Qui n'a pas eu peur?
Dieu dit, c'est cet homme-là qui est capable d'accomplir des miracles par sa vie de prière. Ah bon? Cet homme qui pouvait être orgueilleux, cet homme qui pouvait avoir peur, lui, cet homme-là, peut vivre des grandes choses par sa vie de prière. Toi et moi, nous pouvons vivre ces choses-là, frères et sœurs. Élie, un homme qui pouvait parfois être découragé et même jusqu'à la dépression. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 4, quand Élie s'enfuit et tout ça, et la Bible dit, puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute la journée, il s'assit à l'ombre d'un gêné isolé et demande la mort. Il dit, c'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Ah bon? Toi qui te disais être le seul grand prophète de l'Éternel. Et aujourd'hui, tu commences à confesser que tu n'es pas mieux que les autres. Et tu veux mourir. À cause d'une simple parole qu'on t'a donnée. Le grand prophète de feu est en pleine dépression. Qui n'a jamais été désemparé? Qui n'a jamais été troublé? Qui n'a jamais, ne s'est jamais retrouvé dans une situation où aucune solution humaine n'était là? Aucun changement n'était prévisible, n'était possible plus ou moins. Qui n'a jamais été dans cette situation? Les uns les autres, j'en suis persuadé. Ne serait-ce que ces trois états que j'ai décrits tout à l'heure par rapport à Élie, les uns les autres, d'une manière ou d'une autre, nous connaissons ces choses. Nous avons vécu ces choses par rapport à des événements, des circonstances. Mais Dieu dit, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que cet homme Élie a été justifié par Dieu. Ce qui est important, c'est que cet homme a été justifié par Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu va saisir Élie et le transporter jusqu'au ciel, sans même qu'il connaisse la mort, parce que Dieu l'avait justifié. Dieu avait justifié sa foi. Et aujourd'hui, qu'en est-il de nous? La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a rendus justes. Et il nous a transportés et fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir, de toute domination, au-dessus de tout. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Dieu nous dit, mais votre prière est efficace. Votre prière est efficace. Vous pouvez accomplir des grandes choses. Pourquoi doutez-vous? Pourquoi craignez-vous? Pourquoi ne croyez-vous pas dans la capacité que votre prière peut faire des choses qui peuvent même dépasser votre entendement? Parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, frères et sœurs, qui exaucons nos prières, mais celui qui exauce notre prière est le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut toutes choses. Ce qui est triste parfois, c'est que quand nous prions, nous avons l'impression que c'est à nous d'accomplir d'exaucer la prière. Ce n'est pas à nous d'exaucer la prière. Ce que Dieu nous demande simplement, c'est « Prie, que veux-tu que je te fasse ?» Et puis crois que ce que tu demandes, tu l'auras. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Dieu ne nous demande pas d'exaucer notre propre prière. Élie ne faisait pas descendre le feu du ciel par lui-même. Élie n'a pas ressuscité cet enfant que je vous ai cité tout à l'heure en exemple dans 1 Roi chapitre 17. Il ne l'a pas fait tout seul. Il a prié pour ça. Et la Bible dit que l'Éternel exauça sa prière. L'Éternel exauça sa prière. Qui te dit que c'est toi qui vas changer la situation dans laquelle tu es? Non, ce n'est pas à toi de faire ça. Ce que Dieu te demande, c'est de croire qu'il est capable de le faire et de lui demander de le faire. Et il le fera pour toi, pour que tu saches qu'il est avec toi. Regardons encore ce que la Bible nous dit tout à l'heure. Dans Jacques chapitre 5, le verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Voici ce que la Bible nous dit. «
que Élie, un homme de la même nature que nous, il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve, pour qu'il ne pleuve pas sur la terre, et il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et demi. Alors, est-ce que la prière d'Élie était quelque chose d'automatique? Est-ce que quand Élie priait, les choses se passaient automatiquement? Là aussi, nous avons des choses à apprendre. Regardons ensemble dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41. Dieu a dit à Élie de prier pour que la pluie tombe sur le pays. Dieu lui a dit de prier. Alors, Élie va faire quelque chose. Regardons ensemble. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41. Il lui dit, ensuite, Élie dit à Akab, Akab c'était le roi, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait sur le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Élie commence à prier pour qu'il y ait la pluie. Le serviteur va voir, il dit, il n'y a rien. Il l'envoya 7 fois pour regarder. Ça veut dire qu'il priait, il prie, il prie, il prie, il lui demande d'aller voir. Il n'y a rien. Il continue. Encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'à la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie va te bloquer. Donc voilà cet homme qui prie. Il prie pour qu'il se passe quelque chose. Mais ça ne se passe pas tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se décourage, il rentre chez lui, il dit, oui, ça ne marche pas, j'ai essayé, j'ai prié. Non. Il a prié encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, 7 fois. Et parfois, j'ai peur que certains passent à côté du miracle de Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu peut-être prier encore une fois de plus. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu crier encore à Dieu une fois de plus. Parce qu'ils estiment qu'ils ont assez prié. Parce qu'ils estiment que Dieu sait, connaît la situation et je n'ai plus besoin de prier. Parce qu'à un moment donné, ils considèrent que ça ne sert à rien de persévérer dans la prière. Voilà l'homme. L'homme du miracle. L'homme qui accomplit des choses surnaturelles dans la prière, le voilà en train d'insister pour qu'il se passe quelque chose. Et Dieu va honorer la chose. La prière est efficace. Élie n'était pas un homme différent de nous. Élie rencontré, Dieu dit, il est dans les mêmes conditions que nous. C'est-à-dire que certaines de ses prières prenaient du temps. Certaines choses avant qu'elles se passent prenaient du temps. Et Élie prenait le temps dans la prière. Il a prié avec efficacité, et avec persévérance. Et Dieu a exaucé. Et Dieu a exaucé. Alors, puissions-nous ce matin être encouragé. Puissions-nous être encouragés, frères, à ne pas abandonner la prière. Puissions-nous être encouragés à ne pas être de ceux qui vont laisser tomber parce que ça traîne dans le temps, parce que ça prend du temps. L'exaucement prend du temps, ou du moins la manifestation de l'exaucement prend du temps. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais continuons à persévérer. Continuons à prier. Continuons à prier, continuons à crier à Dieu, mais dans la foi. Dans la foi. Regardez Élie. La 7e fois,
quand le serviteur va monter, il dit, j'ai vu juste un nuage qui n'est même pas plus gros que le poing d'un homme. Et lui dit, va dire au roi tout de suite de se dépêcher parce que la pluie risque de l'arrêter et de l'empêcher de partir. Parce que dans ce petit point, Élie voit déjà une grande averse. Dans ce tout petit point, Élie voit quelque chose qui va arriver de très très grand pour tomber sur le pays et puis arroser tout le pays. La foi, la prière de la foi. Ne méprisons pas les petits commencements dans notre prière. Ne méprisons pas les petits commencements. Ah oui, mais moi je prie, je ne vois que des petites choses qui se passent. Ne méprise pas ces petites choses. Parce que ces petites choses vont appeler des choses beaucoup plus grandes. Alors persévère dans ta vie de prière. Ah oui, mais moi je ne vis pas des grands miracles. Où je ne vis... Oui, mais moi quand je prie, voilà, c'est quand j'ai un mal de tête, voilà, ça s'arrête. Mais quand j'ai mal aux dents, ça, il ne se passe rien. Oui, mais déjà rends grâce pour ce mal de tête qui s'arrête quand tu pries. Parce que des choses beaucoup plus grandes peuvent arriver demain. Ne méprisons pas les petits commencements. Mais soyons persévérants. Soyons persévérants. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux, et il nous dit, c'est Dieu qui nous parle, que la prière du juste est très efficace. Tu es le juste de Dieu. Tu es le juste de Dieu. Alors aie foi dans ton Dieu. Aie foi dans ta prière. Crois que quand tu pries, Dieu va faire exactement ce que tu lui as demandé au nom de Jésus-Christ. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin pour nous encourager toujours dans la prière, à rester persévérant, à croire dans l'efficacité de la prière et à faire confiance à notre Dieu pour changer les choses et les circonstances. Voilà, je vous invite à prier avec moi si vous voulez bien, inclinons nos têtes et demandons la grâce de Dieu. Excellent Père de grâce, bénissons ton nom ce matin pour ta parole. Nous te remercions Père pour ces encouragements que tu nous donnes, nous te remercions. Parce que tu veux nous emmener beaucoup plus loin encore, à grandir dans la vie de prière, à grandir dans l'expérience de la foi. Alors merci Père de te glorifier, de te révéler à chacun. Merci Père de visiter chacun, là où il est, dans sa maison, dans sa situation. Et que vraiment nos prières puissent porter beaucoup de fruits. Et pour que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Merci encore pour la foi de chacun que tu soutiens encore par ta parole et par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Père, que ton nom soit béni, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que sa grâce vous soit multipliée, et à bientôt, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, j'aimerais vous apporter quelques précisions, quelques informations au sujet de la reprise de nos cultes. Donc comme vous l'avez certainement lu et appris, donc la reprise est fixée au 12 juillet à partir de 10h. Donc nous allons reprendre le culte, nos cultes sur place, à Chaumontel, en présentiel. Mais cela m'emmène à préciser certaines choses. Au regard de la situation actuelle, de la situation du pays, par rapport à la pandémie, nous devons réaliser que malgré la nette accalmie, malgré le fait que les choses se soient adoucies, le virus circule toujours. Le virus est là et nous devons faire très attention par rapport à la sécurité de chacun. Nous devons veiller à ce que personne ne soit exposé à un risque en venant au culte. C'est pourquoi il y a un protocole qui est sanitaire très strict qui a été mis en place et je vous demande de tout mon cœur de respecter ce protocole à la lettre parce qu'aucun écart ne sera permis. Aucun écart ne sera permis parce que c'est la sécurité de tous. Nous ne voulons pas que quelqu'un qui viendrait pour rencontrer son Dieu, pour passer du temps avec les frères et sœurs, soit exposé à un risque pour lui-même.
lui-même, pour sa famille et puis pour les autres. Donc, à cause de cela, donc, ce protocole s'appliquera à tous. S'appliquera à tous. Et je vous demande encore de respecter ce protocole, de nous pardonner si vous êtes peut-être heurté par certaines choses, si vous vous sentez peut-être gêné, bousculé un petit peu, mais croyez que tout ce qui a été mis en place afin que chacun puisse vraiment profiter de ce temps, de ces temps de culte que nous allons vivre ensemble. D'accord. Donc, merci encore, merci pour votre patience, merci parce que je sais que vous êtes des personnes responsables et que ben, vous allez vraiment respecter les consignes, les directives qui vous sont données par rapport à ça. Donc, concernant un petit peu ce protocole, j'aimerais vous donner quelques éléments d'explication. Déjà, premièrement, concernant le nombre de personnes qui seront accueillies, ce nombre est fixé à 20. Du fait de la capacité d'accueil de notre salle de culte. Donc, le protocole nous exige de respecter 4 mètres carrés par personne, donc par chaise. Donc, et avec tout cela, par rapport à la capacité d'accueil de notre salle, donc nous n'avons que 20 personnes qui puissent occuper la salle de culte en toute sécurité. Donc, les cultes seront pour 20 personnes. Et dans ces 20 personnes, donc nous aurons bien sûr les frères et sœurs qui vont aider au nettoyage, à l'accueil, à la sécurité au niveau du parking, à la louange et bien sûr le prédicateur. Donc cela, vous voyez que ça réduit très facilement, très rapidement les places disponibles pour les frères et sœurs qui ne viendraient que pour participer au culte. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà, donc c'est 20 personnes, pas une de plus. Et ensuite, pour pouvoir participer au culte, cela va se faire sur inscription. Chacun devra s'inscrire personnellement. Et cela, par exemple, pour un couple, il faudra 2 inscriptions. Un pour le mari, un pour la femme. Donc, sans cette inscription, sans le justificatif que vous allez recevoir en retour en vous inscrivant, vous n'aurez pas accès aux locaux de l'église. Vous n'aurez pas accès à l'enceinte de l'église. Le contrôle se fera au niveau de la grille, de la barrière. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous n'entrerez pas dans l'enceinte de l'église. Et ça, c'est obligatoire. Donc, il y aura les modalités d'inscription vous seront redonnées très rapidement par l'équipe de communication. On vous dira comment faire, on vous dira sur quel lien aller pour pouvoir vous inscrire. Ça se passera essentiellement par le site internet de l'église. Donc, on vous dira tout ça, soyez rassurés, ne vous inquiétez pas. Tout le monde aura l'information en temps et en heure, mais... sans cette inscription, je répète, sans être inscrit, vous n'aurez pas accès à l'église. Ça ne sert à rien de venir quand même, ça ne sert à rien de tenter, vous n'aurez pas accès à l'église. Ça, il faut vraiment que tout le monde le comprenne, tout le monde soit sensible à cela. Donc c'est une inscription par personne, il n'y a pas d'inscription par couple, c'est une personne comptant pour lui-même. Parce que nous devons respecter ces règles sanitaires. Donc, merci de prendre compte de tout cela. Ensuite, quelques précisions concernant les enfants. Je ne veux pas dire ce matin devant vous que nous ne voulons pas accueillir les enfants. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, les enfants sont les bienvenus à l'église. Seulement, il y a des faits qui sont là, qui nous pousse à prendre certaines décisions. La première chose, c'est que l'état actuel de nos locaux, la taille de nos locaux, en tout cas de l'espace d'accueil des enfants, est trop petit. Nous ne pouvons pas accueillir les enfants dans nos salles, dans les salles des enfants, la salle d'école du dimanche, parce que nous ne pouvons pas respecter les distanciations sociales dans ces salles. Donc ça, c'est la cause principale. C'est nous ne pouvons pas les accueillir. La deuxième chose, c'est que le club des enfants, le club du dimanche, les monitrices seront en vacances. Donc tout le monde ne sera pas là.
Donc, comme on le fait tous les ans, vous le savez, en juillet, août, il n'y a pas d'accueil comme en courant d'année. Et donc, nous n'avons pas la capacité d'avoir des monitrices et des moniteurs comme on le souhaiterait pour pouvoir accueillir les enfants. Donc, ça fait partie aussi des raisons qui font que nous ne pourrons pas accueillir les enfants dans les salles d'école du dimanche. La troisième chose, c'est que chaque enfant qui accompagnerait ses parents comptera pour une personne. Donc ça veut dire qu'il faudra inscrire aussi l'enfant. Donc je vous laisse imaginer pour une famille qui a deux ou trois enfants, donc ça fait déjà cinq personnes. Cinq personnes sur les 11 ou 12 disponibles que pour assister au culte, si je déduis ceux qui seront de service et tout cela. Donc vous voyez que ça peut aller très vite, ça peut aller très vite. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait bon de laisser les places aux adultes, qu'ils puissent venir pour pouvoir assister au culte et de pouvoir laisser les enfants à la maison. Après, c'est à vous de juger, c'est à vous de voir. Je vous dis, si un enfant est inscrit, il peut rentrer, il peut venir à l'église, mais il sera la responsabilité de ses parents, en sachant aussi qu'il ne pourra pas se déplacer comme il voudra. Il n'y aura pas de salle pour l'accueillir. Les salles seront fermées parce que nous n'accueillons pas les enfants. Donc, cela va être très compliqué. Donc, c'est pourquoi je vous encourage fortement à garder les enfants à la maison et à laisser ces places pour les adultes qui, eux, peuvent venir, s'ils le peuvent, pour pouvoir profiter du culte. Mais néanmoins, j'aimerais quand même rassurer les parents qui m'entendent dire ça. Peut-être que vous allez vous dire, ah, il est devenu très dur, Alain, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas une question de dureté, mais c'est une question de sécurité. J'aimerais quand même rassurer les parents. À partir du mois de septembre, nous envisageons de reprendre les enfants en charge comme d'habitude. Nous espérons que d'ici septembre, les choses soient claires, soient réglées. Et donc, en septembre, nous allons analyser la situation. Nous allons voir comment les choses se passent, où est-ce que nous en sommes par rapport à cette épidémie, à ce virus, et puis donc nous espérons fortement pouvoir prendre en charge nos enfants et pouvoir passer une bonne année avec eux, une année encore à les enseigner, à leur apprendre la parole de Dieu et tout ça. Donc voilà, donc patientez jusqu'en septembre, en tout cas c'est ce que nous vous demandons. Voilà, pardonnez-nous vraiment si vous vous sentez frustré par tout cela, si vous êtes peut-être bousculé ou gêné par ces mesures, mais c'est vraiment pour la sécurité de tous. Et voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je parlerai de tout ça avec vous. Voilà. Une autre précision que j'aimerais apporter, et qui n'est pas des moindres, la circulation dans l'enceinte de l'église. Première chose, les masques sont obligatoires. Les masques seront obligatoires et toute personne qui est dans l'enceinte de l'église doit porter son masque, doit avoir un masque sur lui. C'est obligatoire. On ne circule pas, on ne circulera pas sans masque dans l'enceinte de l'église. Donc c'est pourquoi je vous invite, je vous encourage à avoir votre masque avec vous à chaque fois que vous allez venir pour le culte. Donc, très simplement, comment cela va se passer? Lorsque vous arriverez et que votre inscription aura été vérifiée, un agent de sécurité donc, vous indiquera d'aller vous garer. Vous pourrez vous garer à l'intérieur, dans le parking intérieur de l'église. Donc là, il n'y aura aucun problème là-dessus. Et sur le parking, il y aura un deuxième agent qui vous attendra. Et c'est lui qui va réguler la sortie de véhicule jusqu'à l'accueil qui se fera devant la grande porte. Donc c'est lui qui vous dira ce qu'il faut faire, quelle direction prendre et tout cela.
Et la première chose qu'il fera, il va s'assurer que vous avez votre masque lorsque vous sortez de votre véhicule. Tant que vous n'avez pas mis votre masque, vous n'avez pas le droit de descendre de votre véhicule. Il va s'assurer de cela. Et si vous n'avez pas de masque, on vous en fournira un. Mais s'il vous plaît, de grâce, apportez votre masque avec vous, de manière à ce que voilà, les choses se passent au mieux et vraiment que tout le monde soit en sécurité. D'accord? Une fois que vous descendez de votre véhicule avec votre masque, il ne vous sera pas permis de stagner pour discuter, pour échanger, tout cela. Donc ça va être très rapide. Vous allez suivre les marquages qui sont au sol. L'agent de sécurité vous indiquera la direction. Et une fois que vous arrivez devant l'église, il y aura un agent d'accueil. Il y aura un frère ou une sœur qui sera à l'accueil et qui vous mettra du gel hydroalcoolique dans les mains. Et ensuite, vous pourrez, et seulement ensuite, vous pourrez avoir accès à la salle de culte. Donc là aussi, j'insiste sur ce gel hydroalcoolique qui sera mis dans vos mains. Donc toute personne qui refuserait d'avoir son masque ou qu'on lui mette du gel hydroalcoolique dans les mains se verra invitée à quitter les locaux de l'église. On ne dérogera pas là-dessus. Donc là-dessus, il faut que nous respections les règles. La règle, c'est le masque et le gel hydroalcoolique dans les mains et vous avez accès à la salle de culte. Dans la salle de culte, on vous désignera votre place. Il y aura un fléchage au sol, vous le verrez, il y aura un fléchage au sol. Vous suivrez le fléchage au sol, vous allez trouver votre place, vous allez vous asseoir et vous pourrez assister au culte. Et pendant que nous serons dans la salle de culte, personne n'enlèvera son masque. Nous allons garder nos masques pendant le temps de louange, pendant la prière, pendant les dons spirituels, pendant les chants. Tout le monde gardera son masque avec lui. Tout le monde, absolument tout le monde, aura son masque sur lui. L'équipe de louange, le prédicateur, pourront enlever leur masque pendant qu'ils sont pendant leur prestation, parce que les uns les autres seront à au minimum 3 mètres des premières chaises. Donc il y aura une distance entre l'estrade et les premiers rangs de moins 3 mètres. Donc à cette distance-là, le protocole nous permet à ceux qui sont de service de pouvoir enlever leur masque et de pouvoir travailler, de pouvoir conduire la louange, conduire les chants, et le prédicateur pourra prêcher. Donc les distances sont nettement et clairement respectées, et donc c'est pourquoi le protocole le tolère, accepte qu'ils puissent baisser leur masque seulement pour ce moment-là. Une fois que la prestation est terminée, le prédicateur, l'équipe de louange remettent leur masque afin de regagner leur siège également. Voilà. Donc le masque sera obligatoire pour tous, pour tout le monde. Donc merci de le comprendre, merci d'en tenir compte. Et aussi, j'aimerais vous dire également que les déplacements dans la salle de culte sont strictement interdits. En dehors du fait de se placer, donc de s'asseoir, de regagner son siège quand on arrive, et au moment de partir, tout déplacement est interdit, sauf pour aller aux toilettes, et là aussi, il y aura un fléchage au sol, un marquage au sol qui vous indiquera la direction à suivre. Il y aura le fléchage dans la salle de culte sera là pour éviter tout croisement. Donc il y aura un sens d'arrivée et un sens de départ. Donc je vous demanderai de respecter cela également. Donc cela est fait pour éviter tout croisement dans l'église, dans la salle de culte. Donc merci de respecter cela. Et de toutes les façons, tout cela sera affiché. Vous aurez l'occasion de voir tout cela, de vous imprégner de cela avant
avant le culte, avant la reprise, avant le 12. Donc nous aurons l'occasion d'en parler. Et si tout cela vous semble un petit peu obscur, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous gênent un petit peu, n'hésitez pas à m'appeler. Appelez-moi, nous allons en parler, je vais expliquer les choses. Et s'il y a besoin de refaire une autre vidéo, j'en referai. S'il y a besoin de vous décrire, on écrira. Mais voilà. Je suis disponible, l'équipe de communication est disponible, n'hésitez pas à aller sur le site si vous avez des questions, d'envoyer, de prendre contact ou sur le WhatsApp ou directement au téléphone. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à chercher à comprendre. Et voilà, on est là vraiment pour, toute l'équipe est là pour vous aider à comprendre, surtout vraiment à saisir les choses et comment ça va se passer. Et donc, et pour la sortie, bien évidemment, ben, ça sera le responsable de du protocole, hein, dans la journée, qui vous fera signe de pouvoir sortir. Il vous indiquera la direction. On sortira deux par deux pour éviter de stagner, de discuter. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, nous avons des voisins. Nous avons des voisins. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait d'attroupement dans le parking, nous ne voulons pas que ces gens soient gênés ou susciter dans leur cœur des mauvais sentiments parce que ben, ils verraient des chrétiens, voilà, se réunir, voilà, et tout cela. Donc nous pensons à tout cela, c'est pourquoi je vous demanderai vraiment d'être très respectueux de ce qui est mis en place. Encore une fois, ce sont des cultes exceptionnel, c'est vraiment des cultes exceptionnels, des choses que nous n'avons pas connues, mais nous sommes obligés de passer par là, parce que nous avons quand même ce désir qui est très fort en nous de pouvoir, ne serait-ce que passer du temps ensemble, en présentiel, les uns avec les autres dans la présence de Dieu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que vraiment le Seigneur nous donne la capacité de gérer tout cela, de pouvoir observer toutes ces choses. Nous savons que c'est pour le bien de chacun. Et cela n'exclut en rien la foi, cela n'exclut en rien la présence de Dieu dans nos vies. C'est simplement nous adaptons à la situation, nous voulons être respectueux de ce que les autorités ont mis en place. Nous voulons être sages et nous voulons que chacun puisse, dans la mesure du possible, profiter de ces moments de retrouvailles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter comme éclaircissement, comme lumière. Et voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà. Notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web églisechaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche, encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis !